Tout le monde, j'espère que ça va et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fera 3 dies pour room décor pour décorer sa chambre. Si vous voulez voir comment elles se font, continuez dans cette vidéo. On se voit maintenant. Coucou tout le monde, j'espère que ça va et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fera 3 dies pour room décor pour décorer sa chambre. Si vous voulez voir comment elles se font, continuez dans cette vidéo. On se voit maintenant. Vous aurez besoin d'un cadre, d'un crayon, de ciseaux, d'un pinceau fin ou en cure-dent, de pinceaux d'autre taille, plus grand, de washi tape ou masking tape, d'une éponge, d'une peinture bleue, blanche, rose et violette. Je commence par mettre un carton ou du papier journal pour protéger la table. Ensuite, je prends mon cadre et je vais tracer des lignes pour être plus précise pour être plus. Moi, j'ai choisi d'écrire le mot crack. Mais vous pouvez choisir un autre mot. Vous allez recouvrir les lettres que vous venez d'écrire avec du washi tape. Voilà le résultat, et maintenant vous prenez un bain en plastique et vous commencez par mettre de la peinture. Prenez votre cadre et l'éponge et vous imprégnez l'éponge avec la peinture et vous commencez à tapoter dans le cadre. Voilà le résultat. Maintenant, vous allez prendre de la peinture rose et vous allez faire la même chose. I hold my hands up high and throw my glass into the sky. When the morning comes, we'll never see the sun. And if the world's closing, then let's just start it all again. That's when the evening comes. Maintenant, vous prenez de la peinture blanche et vous allez tapoter comme avant, surtout dans les angles. Vous prenez de la peinture violette et vous continuez à tapoter. Quand vous avez fini, vous commencez à enlever le washi tape. Pour finir, vous prenez votre pinceau ou
votre cure-dent et vous faites des petites étoiles et des petits points. Vous aurez besoin d'un cadre, d'un sèche-cheveux, d'un cutter et de cire. Vous commencez par mettre du papier journal pour protéger la table. Et ensuite, vous prenez votre cutter et vous allez enlever le papier des cires. Tous les papiers enlevés, vous allez prendre votre cadre et vous allez placer les cires dans l'ordre que vous voulez. Moi, je les ai placés dans cette manière. Je vais mettre une boîte pour soulever le cadre pour faire couler mieux les cires. Vous aurez besoin de chandelles, de trois couleurs de cire, d'une casserole et de deux verres. Vous commencez par enlever la chandelle du petit truc en métal. Fait, vous allez lever le filtre soigneusement. Vous devez essayer de ne pas le casser. Vous allez prendre un des verres et vous allez couper de deux en deux les chandelles. Avec un cutter. Vous allez prendre aussi une de vos
cire et vous allez la couper en petits morceaux. Vous allez remplir la casserole à moitié avec de l'eau. Vous allez prendre le feu et vous allez mettre le verre avec la cire et les chandelles dans l'eau. Vous allez attendre de 15 à 20 minutes que la chandelle et le cire se dissoutent. Vous allez remuer et si vous voulez, c'est optionnel, vous pouvez ajouter un peu de fragrance, c'est du parfum, pour que ça sent bon. Ne faites pas bouillir l'eau parce que sinon le verre pourrait se casser. Vous allez prendre l'autre verre et vous allez verser le mélange dans le verre. Moi je vais l'incliner un peu pour donner un effet de bande. Faites la même chose avec la couleur orange, mais je l'ai fait de l'autre côté, dans l'autre angle. Vous ajoutez la dernière couleur et ensuite vous ajoutez en milieu le filtre. En haut, commentez et on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir!